Bonsoir tout le monde et bienvenue. Donc, je vais continuer la nouvelle série que j'ai commencé avec l'Angola sur GPS4. Donc voilà, c'était une petite série, commencé tranquillement. Bon, l'Angola, il y a tout à faire, hein. Vraiment tout à faire. Bon, on va reprendre là on s'en était arrêté. Je me souviens plus très très bien. Qu'est-ce que je pourrais. Je crois qu'on essayait tout bêtement de réduire le déficit, ce qui posait vraiment problème. On essayait de récupérer un maximum de recettes, sans pour autant taxer au maximum. C'est-à-dire, je mettais beaucoup de pétrole, par contre, au niveau du chômage, il faudrait pas que ça descende trop. Et normalement, ça devrait aller. Ouais, j'avais un gros taux de chômage, 12% encore. J'ai démarré à 20%, donc c'est pas mal déjà. Deux petites secondes, je regarde quelque chose. Reprendre temps de travail hebdomadaire 42 heures, c'est très bien, on va dire que c'est suffisant. Regardez les infos sur cette région. La population 17 millions. C'est à peu près 60% de la population du pays. Ce qui est énorme pour une si petite région. Vraiment énorme. On va regarder au niveau. Voilà, que je fasse attention quand même. Énergie. Ok. Alors par contre, j'aimerais bien voir. Pénurie d'électricité, voilà. Bon, le problème que j'ai, c'est que. Ouais, ma demande électrique commence à être importante. Et ça va devenir vraiment problématique. Objectif, c'est 0,2, voilà, biomasse. Il faudrait vraiment que je. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais. Solaire, ça coûte peut-être un peu trop cher. Géothermie, biomasse, 12 mois. Et si je mets 4000 personnes, c'est à peu près correct. Mais je l'ai deux fois plus vite.
6 mois. Est-ce que je peux attendre 6 mois? Ça va être compliqué quand même. Est-ce que je peux me permettre de faire une éolienne? 6 mois aussi, terrestre, maritime. Je vais regarder où est-ce que je peux me placer. Ouais, je le place à un endroit où il peut y avoir du vent. Bonne. Ouais, mais là, ça serait pas mal, je pense. Et là. Non. On va le placer ici. Je pense que ça sera pas mal de le placer ici. Ouais. Hop, c'est parti. Tant pis si je redescends au niveau des. Du budget, c'est pas grave. Si je faisais une petite autoroute entre là et là, aussi, ça serait peut-être pas mal. Bon, la ville est petite. Mais bon, on va dire que ça. Ça serait pas mal, effectivement. Tac. Construction. Autoroute principale. Quatre kilomètres, 195 millions de dollars. Ouais, je pense que c'est bien. 5 mois, bah ça va très bien. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? C'est un jour historique, monsieur le président. Ça sera la première grande autoroute du pays. Enfin, les parcelles sont d'excellents choix, cela. Fluidira substantiellement le trafic et contribuera au développement de leur région. Tac tac tac, c'est ok. Donc c'est la première autoroute. Tac 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 tac. Donc j'étais là. Suite aux événements récents, nous procédons. Ok, on va aller faire un petit tour au niveau des services secrets. Oh là 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 là, faudrait que je fasse une petite étoile sur les agents quand même. 6 millions de dollars, c'est pas excessif. Hop, on va répartir un petit peu, là, on a un peu consommé au niveau du budget. C'est pas plus mal, parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Infiltrer, on va infiltrer les deux. Fichier. Oh, putain, toujours face ici. Hop. Ok. Bon, rien de notable.
Par contre, au niveau des agents sur le territoire, peut-être augmenter un tout petit peu. Hop, c'est parti. Alors, au niveau de la monnaie, ouais, l'inflation remonte, ça c'est vraiment... C'est un calvaire ce truc. Pénurie d'électricité, ça va être super chiant. Où est-ce du bonheur en Angola, ouais. Alors, Notre agent infiltré, c'est... aïe 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 aïe. Alors, regardez un petit peu tout ça, ouais. Bon, ça change tout le temps là, le réseau. C'est un petit peu pénible, tiens. Finances publiques, ok, c'est remonté un peu. Trésorerie en excès. Ah, bonne nouvelle. Tiens, très curieux. Ça voudrait dire qu'en fait j'ai un déficit de structure plutôt positif, non? Je comprends pas bien. Déficit structurel 1,32. C'est peut-être grâce à ça que je. Allez, on va regarder un petit peu tout ça. Allez, on va faire une petite hausse très rapidement. Hop! Impôt sur les sociétés, je vais augmenter très légèrement. Me permet de récupérer de l'argent un petit peu, mais assez lentement, mais sans vraiment impacter la croissance du pays, que très légèrement. Mauvaise pente, bah ouais, si je veux me développer, c'est rigolo avec le CED. C'est pas ma priorité, hein. Ouais, petite baisse un peu ici, bon, c'est normal. Ah, là, j'ai 20 millions.
Tiens. Tête CC. Bébé. Ok. Bizarre. J'ai une chance qui me suit pas. Alors, finances publiques, ça remonte. Ok, attention au chômage. Proportion inquiétante. Ok. Alors par contre, combien de policiers? Taux de criminalité, il descend. Peut-être que j'augmente le nombre de policiers un petit peu. On va passer à 390 000. Hop, très bien. On va les augmenter un petit peu. Hop, voilà. Nos sportifs sont fin prêts, mais si je... Ah, capacité 1,5, 526. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment bien parce que j'arrive à récupérer. Excusez-moi. À une semaine. Ah, emploi. Pourquoi emploi? Attendez, je regarde l'emploi. Pourquoi l'emploi il baisse? Oh là 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 là. C'est un peu trop drastique. Ouais, il redescend, donc ça c'est très bien. Par contre, ce qui me plaît pas. Ouais, c'est au niveau de la monnaie, comment ça se passe? Il remonte très vite le truc. Je vais mettre 20%, tant pis. Je suis obligé, il faut que je freine. Je vais créer des chômeurs. Nous allons manquer d'effectifs dans notre domaine. Ah, ok. Ici. Bon, bah ouais, mais bon, on n'a pas bien le Voici choix. donc. Il
Excellent chiffre. Trimestre en baisse 9%. Dans les taux d'intérêt. Bah, c'est vrai qu'en même temps, je cherche social, employeur et salarié. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner? Donc je reviens, excusez-moi. Petit peu compliqué. Sur quoi je peux jauger le truc? Bon, on est remonté au niveau des sondages, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt intéressant. Le décret entre en vigueur. Très bien. Impôt sur les Le décret sociétés, entre en vigueur. c'est très bien, ça va faire... monter un petit peu le chômage, je pourrais faire, j'essaie de le maîtriser. Il faut rester dans le concret et éviter les excès de pruderie. Rien de mieux qu'un richissime donateur pour faire entrer de l'argent frais dans les caisses du parti. Ces gens sont abordables. Logement insalubre, voilà. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? 60 millions. Bah tiens, on va peut-être réhabiliter quelques logements. 2500. Ah, j'ai pas assez de main d'œuvre. On va rester à 2000, c'est très bien. Hop, allez, on continue. Mes informateurs rapportent. Alors, voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu pris par autre chose.
les opérations militaires, donc on a rien. C'est vrai que j'ai pas trop regardé la répartition des du budget. Je vois que santé, sécurité sociale 40%, bah oui, c'est ce qu'il faut. On va dire que plus de la moitié est pris par l'éducation, la recherche et la sécu. Donc 10% pour la défense, c'est pas déconnant. Remboursement de la dette 4%. Ça, il faut le faire diminuer pour le convertir sur les deux autres les autres ministères. Puis on sera pas mal, je pense qu'on sera pas mal. Tiens, ça c'est intéressant. On voit que ça monte au niveau du PIB, du pourcentage. Et ici, au niveau de la croissance, on descend quand même. Donc ça, ça veut dire que notre monnaie augmente. Il va falloir que j'arrête d'augmenter le baril de pétrole. Tac tac tac. Alors. Pourquoi j'ai pas de prêt d'ailleurs? Enfin, je regarde quelque chose au niveau de l'ONU. Je crois que je me demande si je peux pas faire des prêts. Parce que est-ce que j'en fais partie? Normalement, oui, je suis membre. J'ai pas de sanctions. Crédit en cours 3,2 milliards. FMI, ils sont à combien de pourcents? Ils sont à 3 et quelques, je crois. Je peux demander après auprès du FMI, donc ça peut être intéressant. Ça me permettra de baisser un peu ma dette, le pourcentage de la dette, moins de taux d'intérêt. Je vais essayer 2 milliards, on va voir s'ils veulent. Oui! Ah, très bien. Ça va me faire baisser le déficit budgétaire. On va voir. Notre agent infiltré s'est fait repérer et assassiner. C'est assez terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a fait enfin, hein. Bah, je suis super content de savoir qu'il a commandé des sextoys. A été voir un film violent au cinéma, blindé sa porte d'entrée. Ouais, c'est super. Très intéressant tout ça. Prêt accordé. C'est super sur 5 ans. Je vais être à 4%. Donc c'est plutôt bien par rapport. Si on regarde un peu les taux que j'ai actuellement au niveau des pays, ça casse pas des briques. C'est un peu, c'est assez élevé. Donc voilà, donc c'est plutôt bien, je trouve. Alors, est-ce que ça va avoir de l'effet? Pré-accordé, ok.
Et lui, qu'est-ce qu'il me dit? Ça y est, monsieur. Voilà. Banque centrale, ok. Mon taux d'inflation. Nous avons de fortes présomptions que cette organisation s'apprête à perpétrer un attentat dans les prochaines heures. Ah. Préoccupation de l'armement. Alors c'est un pays assez instable hein, quand même. Mais il va attaquer avec des sextoys lui ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Il y en a qui se planquent bien quand même. Hein. On va pas demander trop au niveau pétrole parce que ça va me faire augmenter les prix. Et je pourrais plus exporter quoi. Ah, ça c'est très intéressant. Pourcentage BV, dette. Je pense qu'on va remonter. Dépenses de l'État, ouais, je vais augmenter au niveau des dépenses de l'État, ça augmente. Hein. Prévision de croissance, ok. On arrive à descendre. PIB. Population, elle augmente assez rapidement d'ailleurs. Assez rapidement. L'enlèvement a été mené hier soir par un commando armé en pleine rue de la capitale. Président de l'association. L'opération s'est déroulée en quelques secondes. Troisième âge. D'accord. Jour du dépassement. Je m'en tape. Mais alors qu'est-ce que je m'en tape de l'écologie? Bon, déjà si on n'arrive pas à crever, c'est déjà bien. C'est. Les armes, c'est pas folichon, hein. Voilà. On va dire c'est pas ce qu'ils cherchent en premier. Ouais j'augmente, c'est vraiment histoire d'augmenter. Toc toc toc. Par contre il y a quelque chose qui me gêne. Est-ce que l'inflation. Putain elle remonte à pic, ça va être terrible, je le sens que c'est. Oh là là. Notre agent infiltré s'est fait. Acheter une mini caméra, acheter un deuxième téléphone mobile, ouais, super. Il va me falloir plus d'infos. Hein. Salut Calangaric, et bienvenue. Ouais c'est vrai que je t'avais en privé tout de suite. Donc bah re-bienvenue. Tour, jouer à FPS. Ouais, bah, y'a rien d'extraordinaire. C'était quoi que je voulais regarder? Il me reste plus que deux, d'accord. Ok. Durée de la prise d'otage 3, nombre d'otages 1. Prise d'otage 1, nous exécuterons l'otage en 43 jours.
Bah tiens, tu peux me dire qu'il y a un gars... Non, normalement j'ai changé de PC, donc normalement la qualité du stream devrait être mieux. Enfin, pas de la webcam, parce que ça... Ça a pas changé. Mais dans tous les cas, normalement il devrait plus y avoir de lag comme tu pouvais avoir, hormis par la connexion peut-être. Hormis par la connexion. Oui, mon dieu, 16%. Jette la partie. Non, je vais pas l'acheter à la poubelle. Ça se gère encore, ça. Il n'y a pas de raison. Ah, elle rebaisse. Ce qui est important, c'est ça, c'est la part qui... N'est-ce pas, la croissance, elle baisse. Normalement, ça devrait redescendre. Par contre, là, au niveau de l'inflation, ouais, je suis assez haut. Et là, pouf, ça y est. D'un coup, j'ai réussi à la stagner. Donc normalement, elle devrait redescendre. J'ai une petite faveur à te demander. Oui, si tu veux. Non, par contre, au niveau de la monnaie, voilà, elle a stagné, c'est plutôt bien. Tac, ok. Notre agent infiltré s'est fait repérer et assassiner. Putain, ils font que ça de crever, mes agents. Ok. Voilà ce que j'essaie de gérer aussi, il y a une pénurie d'électricité, donc ça c'est un peu chiant, mais ça devrait être résolu dans peu de temps, normalement vers la fin de l'année. La situation préoccupe. Ouais, bah ça, le transport, hein, on fait ce qu'on peut. De toute façon, c'est un pays compliqué hein, à gérer. Hein. Au niveau de l'armée, par contre. Je fasse attention, ouais, je mets toujours à la bonne. C'est très bien. Ah oui, non, c'est ça, c'est vrai, par contre, ouais. Ça, c'est vrai, ouais, t'as raison. Ouais. Twitch est assez gourmand en connexion internet parce que. Bah, moi, j'ai pas ce problème là, je suis en fibre optique donc. J'ai pas de problème avec ça. Ouais, je crois que j'ai fait un petit peu trop de puits de pétrole. Donc bon, tant pis, hein. Ah, la demande électrique explose, quoi. Par contre, c'est chiant quand on n'ait plus les courbes d'évolution. En demande électrique, on les a pas, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Chômage, ouais, agriculture. Je regarde si c'est augmenté. C'est l'énergie qui a vraiment énormément augmenté. Tac tac. Je pense. Donc normalement. Je devrais avoir. Les joueurs de GTA n'ont plus. Les joueurs de GTA n'ont pas de lag avec leur super config. Bah avec la config que j'ai, normalement, je pourrais même. Streamer du Star Citizen ou même d'autres sans problème. Tac tac tac. Cabinal. C'est toujours un problème. Ouais, ça. Le pays d'Angola est un peu particulier. Il y a une toute petite région ici qui est séparée du pays.
C'est assez bizarre. J'ai l'impression qu'ils l'ont fait exprès pour que la RDC ait un accès à la mer, en fait. Ça reprend plus vite, d'accord. Bon, ça doit être la connexion, alors, hein, les lags. Ah, c'est dommage. T'as le même problème avec les autres streamers ou pas? Je te demande en même temps, hein. Comme ça, au moins. Ça me permet de me rendre compte. Encore un jour. Oh là là, il baisse tout seul le chômage, c'est incroyable ça. Le décret entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Viens de découvrir l'ordinateur optique. Faudrait que je regarde ma recherche aussi, tiens. Oh là là. J'ai des découvertes scientifiques, mais c'est assez extraordinaire qu'on les ait découvert. Et on va construire 10, tiens. 430, ça fait 1200. 3200, normalement, je peux. Non, il y a un problème. Ah, mais non, 1200, là, ça fait 12000. Oh, c'est ça, je peux augmenter à 14000. Après, j'ai pas assez de place. Tac. Breveté publié, ok. Secret industriel. Le fâcheur d'assaut, ok. J'ai pas grand chose, hein. Ça c'est curieux ça, ouais. Bah, peut-être qu'ils privilégient aussi ceux qui sont partenaires et après t'as les affiliés, etc. Parce qu'il y a plusieurs niveaux hein, au niveau des streamers. T'as trois niveaux en fait. T'as ceux comme moi en fait, comme n'importe qui. Et après en fait il faut pour bien faire, et je pense que c'est possible pour bien faire, c'est arriver à être affilié, je crois. Et là tu peux même streamer en résolution, une meilleure résolution, je crois. Et puis après c'est les partenaires, mais bon, ça c'est un autre niveau. C'est notre agent infiltré s'est fait repérer et assassiner. Les terroristes ont découvert qu'ils travaillaient pour nous et nous ont envoyé sa tête. Faut avoir une moyenne de 75 viewers, je crois, par Lloyd. Dans ton mois. Donc, et quoi qu'il en soit, le colis était assorti d'une menace extrêmement. Il commence à me faire chier, hein. Ils font des attentats partout, là. C'est un truc de fou, ça. Oula. Tac. Filtré. Ah, je crois que j'en ai chopé un. Hein. Je crois que j'ai chopé le. Ça peut être bien ça. Ouais, non, mais ça c'est clair.
C'est tout petit, mais bon, je viens de commencer. Et après, je sais qu'il y a d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un Turc qui fait pas mal de viewers sur Football Manager. Hein. C'est, je suis tombé dessus une fois. C'est, il fait quand même beaucoup de viewers pendant ses streams sur Football Manager, parce que j'en fais aussi. Oh mais putain, mais ça arrête pas de bouger. C'est jamais les mêmes. J'ai même pas le temps de les mettre sous surveillance, qui sont déjà partis de la liste. Un peu chiant ce truc. Présumé terroriste relâché. Nous n'avons strictement rien trouvé. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Ils veulent quoi de plus là? Acheter une bonbonne de gaz. Ouais. Ça me paraît douteux tout ça. Alors là, si j'arrive à faire ce champ d'éolienne là, 1.5, ça me paraît vraiment sympa. Hein. La circulation, ça coince. Bah ouais, je sais que ça coince, mais bon. Je peux pas construire des autoroutes partout, quoi. Faudrait que je trouve la région qui est la plus habitée après la centrale. Je regarde un petit peu. Là, j'ai 1 million. Ah zut. 2 millions ici, tiens. Je pense que c'est la deuxième région. On va regarder au niveau du transport. Secondaire, bon, on va rajouter 10 km. Hein. Bon, c'est très peu, mais. Il y a beaucoup de geeks en Turquie. Ouais, on peut voir ça comme ça. Mais il y a encore pas mal de gens hein, qui jouent à GPS4. Hein. J'ai trouvé, il y a encore pas mal. Il y en a encore pas mal. Hein. D'après ce que je vois sur le forum de. Enfin, le seul forum français. Hein. Il y en a encore pas mal qui s'inscrivent pour aller regarder les. T'as mis toutes les étoiles au max pour les services secrets? Ouais, alors par contre, tu les as mis, ça fait combien de temps? Parce qu'il faut un certain temps hein, avant que ça agisse. Hein. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu peux avoir des services secrets au top. Pourquoi ça remonte là? Fiscalité. Ouais, mais... oh, putain. Putain d'inflation de merde. On remonte toujours. Bon. J'ai une idée. On va calmer tout ça. Fiscalité. Hop, tant pis. On va augmenter de à 5 comme ça. Ça va me permettre de réduire tout ça. Ce que je vais faire après, ça va être des contrats pour avoir des prix plus bas. Parce que effectivement, on va perdre. Ils vont perdre en. Ah, les agences sont-ils toujours aussi. Alors attends, parce que j'ai pas tout compris ce que t'as voulu me dire. Les agents, ils sont toujours aussi avec autant de temps passé. Toujours aussi pourri. Toujours aussi pourri.
bah en fait, ça, je sais que leur, même si on met à fond, en fait, ils restent au même niveau, quoi. C'est-à-dire qu'il faut énormément de temps, il faut plusieurs années, je crois, avant que les gens soient formés correctement. C'est-à-dire que je me demande s'il faut pas un ou deux ans, un truc comme ça, quoi. Donc tout mettre à fond d'un coup, ouais, tu peux, hein. Mais t'auras pas les effets tout de suite. Hein. Faut attendre plusieurs mois, je crois. Enfin, ils ont été assez réalistes sur le coup, puisque en fait, une personne, tu la formes pas en 3 jours, quoi. Non, moi, dès qu'ils ont un truc suspect, je les arrête. Terminé. Avec un peu de chance. Ah bon. Je savais pas que j'avais diminué mon salaire, mais c'est pas vrai. J'ai absolument pas réduit. Champion de basket, ouais, c'est super. Nous n'avons strictement rien trouvé contre lui. Filière énergétique dans difficulté, ouais, ça, je sais que ça va devenir problématique. Notre agent infiltré s'est fait. À une semaine. Pourquoi il augmente là? Le décret entre... Voilà, alors la loi sur les TVA est passée. Je souhaiterais attirer votre bienveillante attention sur le fait que le peuple vous soutiendrait davantage si vous lui accordiez un peu plus de liberté. Oui, ça, je sais. Prise d'otage, hein, président de l'association. Ah putain, mais ils l'ont exécuté, mais carrément. Ah bah ouais. Ah ouais. Alors j'ai peut-être un peu zappé. Mais carrément, ils l'ont buté, quoi. Mais putain, mais ils rigolaient pas, quoi, en fait. Fiscalité, recette totale. On en est où, là? 47, ok. Changer. Ouais. Très répressif, ok. Ok. Coupure utile, répétition. Ah, ça va être chiant ça, mes contentements montent. Bah ouais, mais ça, je peux rien faire. Là. Je vais prendre rendez-vous. Je vais essayer d'acheter d'électricité en Afrique du Sud, en espérant qu'elle en aura. Ah, je savais que ça me poserait problème, mais pas aussi vite. Parce que là, on en est à un peu plus de la moitié. Il reste 80 jours encore, hein. C'est 2 mois et demi. Hein. Débarras, leur demande, ok. Notre agent infiltré. Pouh là là, le service secret, c'est lamentable. Ils vont tous se faire désinguer les uns après les autres. Alors, tac, tac. Louer une camionnette. Oh, c'est pas possible.
Non, mais... Alors, on va regarder si je peux. À d'autres. Oh, ça va. Électricité. Alors, achat. C'est quoi? C'est lequel qu'il faut acheter? Merde, c'est lequel? Temps léger, oh, construction. La merde alors, c'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose qui colle pas, réseau de distribution d'eau. Il est où l'électricité? La merde, c'est lequel? C'est moi, il y a un problème. Ça c'est bon. Putain, produit chimique. Réseau d'eau. Voilà, je suis tout bon partout. Qu'est-ce qui me manque? Bon, bah, je vois pas. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Nouveau contrat, on va essayer, on va regarder sur les autres. Hein. Ah, mais c'est ça, pays voisin, d'accord. Pardon, pardon, pardon. Donc c'est électricité, tout court. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Je vais aller chercher dans l'énergie. Hop. Mais je devrais avoir l'électricité en Afrique du Sud. Je crois savoir. Taxe les industries polluantes pour ton budget et finance petit à petit le budget du ministre du Travail. Tu verras, la croissance se gère tout seul, t'inquiète. Ouais, c'est possible. Ouais. Je sais que les taxes sur les industries polluantes, c'est assez pratique. On peut les augmenter. Ah, donc je ne peux pas faire de l'électricité avec un pays qui n'est pas... qui n'est pas voisin avec le mien. Ah, c'est seulement les pays voisins, d'accord. Consommation, surplus, il n'y a pas de surplus, donc il me faut un pays avec du surplus. Je vais regarder si on a du surplus. Voilà, non, zéro. Je vais regarder lui.
Je regarde vite fait. Ouais, non, j'aurais pas de pays qui vendra de l'électricité à côté de chez moi. Donc il va falloir que je me débrouille tout seul. Et il me reste, allez, 75 jours. Ça va être long. Neutralisation. Ah bah, nous avons bien procédé discrètement à l'arrestation du terroriste qui a été placé à l'isolement dans sa prison. Ah bah, très bien ça. Nous avons procédé discrètement. Ah bah, j'ai arrêté les deux. Je savais bien qu'il avait des choses à se reprocher, celui-là. Intérieur. Au niveau de la police, trou, liste. Non, c'est pas ça que je cherche. Donc, au niveau de la... Pardon. Au niveau de la fiscalité. C'est vrai que j'avais un peu zappé, mais c'est vrai que je peux faire ça. Pardon. Pouh. Ouais, alors je fais attention parce que... Ok. Je fais attention parce que les... Si je fais pas attention, le problème, c'est que je vais me faire booter du pays et ça va pas être top. 40%, c'est encore... ça va. Voilà, j'ai été voir l'Afrique du Sud, donc c'est plutôt... bien pour moi. 109, donc il m'a 70 jours. Allez. Un peu plus de 2 mois. Notre agent infiltré s'est... Putain, ils sont tous des 5. J'en peux plus de ces services secrets, sérieux. J'en peux plus. Ils en sont où, eux? Tac. Blindé, mandat d'arrêt, ok. Hop, on va rester à 50$, c'est très bien. Faut pas que je bouge sur le diagnostic douloureux, ok. Ça baisse super rapidement. Hein. Monnaie. Putain, l'inflation, c'est mortel, quoi. Ouais, ils en profitent. Ouais. Nos sportifs. Et quelque chose. Je vais voir un prisonnier. Voilà. Ah mais carrément. Suspect terroriste, syndicat. Ok. Ah c'est... Ah d'accord, ils ont le même nom mais pas... D'accord. Putain, je comprenais pas. Condamnation, 30 ans. Pour terroriste. Terrorisme, pardon. Alors, population carcérale. Ça baisse, c'est bon. Fiscalité, ok. Pétrolier. Aïe 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 aïe.
Écoute... Bah oui, mais on fait ce qu'on peut. La compétition. Je sais pas ce que je peux faire. Trésorerie en excès, 860 millions de dollars. Tiens, c'est bien ça. Zimbabwe, j'accepte. Ah, ça y est, on est passé avec un déficit structurel en négatif. Donc ça, c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on rembourse notre dette. Voilà ce que ça veut dire. Ouais, carrément. Ah oui. Ok. Ah, on peut aller loin comme ça. Je suis pas sûr que ça soit bon pour l'économie, ça. Nous avons de fortes présomptions que cette organisation s'apprête à perpétrer un attentat. Encore ? Le décret entre en vigueur à partir de... Encore. Ça, c'est pas possible. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais augmenter ça. Allez, 12. C'est bien 12. 6, 8, 12. Ça coûte pas trop cher. Contraception. Toléré mais découragé. Faire ça aussi contre 50, ouais, bon, on va le faire, ça c'est bien, les gens vont être contents, faut que je récupère de la popularité. Au-dessus de 7% de croissance, la faction augmente, d'accord. Ah, c'est automatiquement au-dessus de 7% de croissance, ton inflation elle augmente quoi que tu fasses, c'est ça. Venir des tensions, ouais, je m'en fous. Félicitations, ouais, magnifique. Ok. Donc quoi que tu fasses, elle augmente. Donc si t'es au-dessus de 7, d'accord. C'est pas très... pas très réaliste là pour le coup. Bonjour. Donc, qu'est-ce qu'ils me veulent, le Zimbabwe? Ouais, ils veulent acheter du carburant. Et ben, on va pas leur vendre trop cher en fait. On va accepter direct. Comme ça, ça nous fera une petite vente. On va juste faire 900, c'est suffisant. Puis on va leur vendre ce qu'ils veulent. Hop. 340 millions de dollars, c'est vraiment peanuts dans le pays. Voilà. Volontiers. Ça me permet de faire un contrat commercial avec eux. Voilà. Voici la croissance donc nos estimations de croissance. Plus.
baisse. Putain, le taux de chômage, c'est dantesque, quoi. Tout le monde trouve du boulot, quoi. On va laisser comme ça. Alors, par contre, est-ce que ma parle. Ok. Attends, on va bientôt arriver à la fin de l'année. On verra comment est la croissance à la fin de l'année. Et automatiquement, normalement, elle ne devrait pas être trop haute. Et automatiquement, elle devrait redescendre. Le décret entre en vigueur. Ok. Ou sur la taxe sur le carburant en conséquence. Ouais, mais c'est pas grave ça. Ouais. Ok. On est dans. Ok. Il a été jugé. Notre agent infiltré. Et c'est reparti sur les services secrets. Une porte blindée. Ok. Là, je vais jouer encore un petit 10 minutes et puis après je vais arrêter. Donc je vais finir un petit peu ce que je fais. Combien il reste de jours là? Il reste 50 jours. Allez, on peut essayer d'aller jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de l'année au moins. Famille Liberté. Ah, on a repris un petit peu de. En plus 60. Le décret entre en vigueur. Voilà. Il faut que je trouve des mesures qui me remontent dans. Légiférer sur l'avortement. Ah, il est légal. Alors, je vais juste faire ça. On va regarder un peu ce que le peuple dit. 73% là. Le peuple est plutôt pour. Ouais, je vais y aller, hein. Je pense que c'est bon pour moi, c'est au niveau de la popularité, voilà, direct. 2,5%, je remonte à 40%, c'est très bien. Pouvoir d'achat, il respire mieux. Le pouvoir d'achat de nos... Ok. Putain, 20% ça, putain. Putain, je vais avoir une augmentation des prix, ça va être faramineux, quoi. Je sais pas comment je vais faire, mais bon, il va falloir que je le fasse. Nous avons de fortes présomptions que cette organisation s'apprête à... Ah, petite victoire sportive. Si on est arrivé deuxième. Belle performance. Le pays s'est classé 39e. Et ben dis donc. Pas de quoi te casser des briques. Pénurie d'électricité 0,55. Ça commence à être dangereux. Heureusement qu'il y a ça parce que ça va limiter notre croissance. Je pense. Allez, c'est parti. On va enchaîner un peu là. Voie rapide. Ah! Alors, ça. GTA. C'est rigolo.
Tout est mis en œuvre dans le... Ah, 40 jours, il reste. Ouais, je pense que ça peut le faire. Ah, l'autoroute est faite. Ah, ça y est. Oh, c'est bien ça. Bon, c'est pas top, hein. Il y a très peu de monde, mais bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Pénurie d'électricité. Ah, ça peut être, c'est pas cool ça. Pas mieux faire. Ah, ils ont revu leurs notes. Ah, je vais aller voir par curiosité. Ah, putain, toujours l'inflation, hein, c'est une horreur. Dette, agence. Donc, note actuelle B. Donc, on revient. On est plutôt pas mal. Je pense qu'on est même plutôt bien. On est vraiment plutôt bien. La grande pauvreté est un niveau satisfaisant. Ouais. Ouais, ouais, bah ça, j'ai pas bien le choix. Notre agent infiltré. Hop, hop, hop. Cours de sport, ok. Notre agent infiltré. Alors par contre, tac tac tac, il reste combien de temps? Le décret entre en vigueur. Alors, la loi sur l'avortement est passée, je remonte à 42%. C'est classe. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pour pouvoir remonter. Ouais, je peux peut-être faire ça. Ça coûte pas trop cher. C'est toujours bien vu. Réhabiliter les logements. Ouais, par contre, est-ce que ça donne beaucoup? Ouais, un petit peu. Un petit peu. Du bonheur, ouais, ok. Ça aussi, petite touche comme ça, ça coûte pas cher et ça permet d'avoir un petit peu de popularité. Ok. Un budget. Ouais, le déficit structurel est... commence à vraiment baisser. Ça, c'est bien ça. Non, c'est vraiment bien ça. C'est-à-dire qu'on est en train de rembourser notre dette, ouais. Ouais, c'est ce qu'on voit ici. On est vraiment en train de rembourser notre dette. Bon, très lentement, hein, mais. Notre agent infiltré s'est fait repérer. Enfin, en même temps, c'était ma priorité, hein, rembourser la dette de l'État. Parce que c'est vrai qu'on a un petit peu les mains liées quand on peut pas la rembourser. Et suivant les taux d'intérêt, ça devient de plus en plus compliqué. Tac, tac. Ah, il reste 17 jours. Voilà. Cette personne est sous la menace d'un scandale. C'est peu dire que l'affaire risque de nuire à l'image du gouvernement, et ce, dans une proportion difficilement chiffrable. Non, je vais pas le... Notre agent infiltré s'est fait repérer. Tu sais, je voulais faire quelque chose. Je voulais faire quelque chose, mais je me souviens plus. Donc 16 jours, 16. Donc début décembre. Ça devrait aller.
Tentative d'élimination du chef de l'État, la Namibie. Non, on va pas le faire. Avec les agents secrets qu'on a, ça serait trop risqué. On va mettre toujours 50$, je pense que ça nous permet de fixer le prix. Voilà, dans 8 jours, c'est bon. On va pouvoir voir. D'accord. Il faut que je renomme. C'est pas ça. Aïe aïe aïe. Ça. Il faut que je renomme un nouveau ministre de l'économie. Depuis mon parti. Je vais la nommer. Voilà, elle a un pourcentage qui est un peu ridicule, c'est très bien. Ah, plus que 2 jours. C'est bien, réflexe commercial, production électrique, réflexe commercial, notre surcapacité de production électrique est en soi un vrai gaspillage. Ah bah maintenant c'est l'inverse. Notre agent infiltré s'est fait rep... C'est vraiment extraordinaire ça. A retiré une grosse somme en liquide. Ok, très curieux. Une altercation dans un café, d'accord. On va voir. Alors, on va arrêter sur ça, d'ailleurs. Surplus. Hein? Il a fumé ou quoi? Il y avait pas des soucis quand même là? Alors, juste une centrale électrique. Production électrique. Surplus électrique 13,15. C'est quand même assez extraordinaire ça. Vous voyez comme moi là, non? Pourquoi 13? Ouais, même, ma foi. C'est très curieux. Très curieux. Surplus électrique de 13. Ouais, il y a comme un problème là, non? Nos infrastructures de production électrique sont fortement sous-employées. Nous devrions profiter pour promouvoir le développement de la voiture électrique à grande échelle, qui sera forte consommatrice d'électricité avec pour objectif de dépolluer l'air de nos cités. Ouais. Bah c'est pas ça, c'est que j'ai juste fait ça quoi. J'ai juste fait ça. Capacité annuelle 1,5. J'ai pas fait plus quoi. D'ailleurs, si tu regardes bien. Je sais pas d'où il sort ses 15. Mais voilà quoi. Tu vois? Enfin, je veux bien démanteler, mais. Je sais pas d'où il sort sa capacité électrique là. Ma foi.
Non, c'est super bizarre, quoi. Bon, bah, ma foi, on va rester comme ça. Bon. Je vais en rester là, moi, pour ce soir. Demain, je travaille. En plus, c'est ma dernière semaine avant les vacances. Donc, je vais arrêter là. Alors, peut-être demain soir ou mardi soir. Je sais pas encore si ça sera en fonction du moment. Si je fais un stream sur GPS ou sur d'autres trucs. Je ne sais pas pour le moment. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Allez, ciao, ciao.